construire en terre et en fibre végétale le génie de la simplicité. Et ma présentation a été structurée en trois parties. Au début, je parlais de. Je montrais toutes les potentiels et les potentialités de la terre creuse et des fibres végétales pour l'architecture contemporaine, dans une logique de montrer comment faire mieux avec moins. Et ensuite, je parlais de comment il était important de s'inspirer du patrimoine vernaculaire, de l'architecture vernaculaire, qu'elle soit en terre, en fibre végétale ou autre matériau, pour la construction durable, pour l'architecture contemporaine d'aujourd'hui. Voilà, et puis je finissais plus sur plus la physique, la science de la matière, pour montrer comment la science d'aujourd'hui permet d'innover avec ces matériaux traditionnels que sont la terre et les fibres végétales. Voilà.